quoi de neuf docteur? Comme ça fait longtemps que t'en as pas fait de moto. Ça fait surtout très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Eh oui. Alors sur ce, parlons un peu de la nouvelle MT, la MT07 2021. Ah là, je vois beaucoup de trucs sur cette moto là. Ah, ils ont complètement changé l'optique de phare. Après, il y en a qui vont aimer, puis t'en as franchement, ils vont pas aimer. Bon bah moi, j'avoue, je préfère quand même l'ancienne. Mais à force de l'avoir, peut-être que ça changera. Peut-être que de l'avoir avec son nouveau feu, bah ça peut changer. Après voilà, ils ont des nouveaux freins aussi. Enfin, apparemment, elle freine mieux. Enfin, il y a un peu plus de choses. Ils ont un peu, ils ont fait un peu plus de choses sur cette nouvelle MT. Alors, on verra pour la suite. Mais moi, pour l'instant, bah moi, je kiffe la mienne. Je kiffe ma vieille MT. Et bah, je changerai rien pour autre chose. Quoi. Alors, ouais, parlons wheeling aussi. Ah, parce que là, en ce moment, je sais pas à quoi ça sert. À quoi ça sert de faire des wheeling? À part te la péter, parce que voilà, tu maîtrises un peu ton accélérateur, ton frein arrière, tu lèves un peu, voilà, t'es heureux, ça y est, t'as fait un wheeling. Mais franchement, à quoi ça sert? À part si tu te pètes la gueule, bah tu niques ta moto. Moi, je sais pas, hein. Moi, déjà, ça m'intéresse pas de faire des wheeling. Moi, ce qui m'intéresse, c'est rester sur la moto et putain, pas avoir d'accident, quoi. Que de m'amuser à faire des wheeling et que ça fasse bah, comme Men in Bike. Je sais pas si t'as vu sa dernière vidéo, et là, je te mets un petit passage. It was at this moment that he knew he fucked up. Ah putain. Oh shit, here we go again. Ah voilà. Voilà, juste pour faire un petit wheeling, alors qu'il en a déjà fait plein des wheelings. Hein. Et là, ben bah, voilà, ça, la maîtrise était pas là. Le truc, il avait un petit truc qu'il a pas fait, bah que voilà. Et il s'est pété la gueule. Et il a niqué la moto. Alors franchement, voilà, à part te rapporter des vues et peut-être des abonnés, franchement, niquer sa moto pour tout ça, bah je sais pas quoi. Après, il était même pas équipé. Hein. Il était en jean avec des trous. Oh bah, super le moteur. Oh voilà, moi, tout ça, franchement, bah, c'est quand tu fais des wheelings, déjà, équipe-toi bien, quoi. Après, les wheelings, c'est bien. Ouais, si tu fais du stunt, voilà, t'es sur un parking, et puis voilà, tu te fais plaisir, tu te fais des roues, tu fais des machins. Mais fais pas des roues quand t'es au milieu de la circulation. Fais pas un petit wheeling, ça sert à rien. À part risquer ta vie et puis te beaufrer et puis peut-être niquer la vie de quelqu'un d'autre, bah franchement je vois pas l'utilité de faire des wheelings. C'est pour ça que je voulais en parler parce que bah, j'en vois plein qui en font. Et je sais pas l'utilité, je sais pas à quoi ça sert. Une moto ça a deux roues, bah je pense qu'une moto c'est quand même fait pour être sur ses deux roues. Alors si c'est pour rouler sur une roue, bah super quoi. Franchement chapeau gros, c'est bien pour toi. Mais quand tu seras par terre et que ta moto elle sera niquée, bah voilà, si t'es riche hein. Parce que là, apparemment Men in Black ça l'a pas trop. Apparemment il a des sponsors, enfin, c'est vrai que quand t'as 100 000 abonnés, bon bah t'as quand même des sponsors, je pense. T'as des trucs où t'as aussi la monnaie YouTube, hein. Alors ça, je sais pas trop moi, mais voilà, apparemment ça a pas l'air de trop le faire, de trop le percuter. Lui il s'en fout. Mais bon, moi je vois ma moto par terre, ça me fait chier quoi. Tout ça pour un wheeling de merde. Il y a une seule fois où je l'ai fait tomber la moto, c'est à la sortant de l'abri de vélo. Ah putain, parce que ça passe juste avec la porte. Hein. Et au moment où je suis passé, j'ai été un peu déséquilibré. Et bah 180 kg, quand ça part d'un côté, c'est pas moi avec mes 50 kg, je vais la rattraper la moto. Bah je l'ai lâché, elle est tombée. Quoi. Ah comme ça m'a fait mal le cœur. Mais un truc de ouf. Et pourtant elle est tombée à l'arrêt. Hein. Mais ça fait toujours chier quoi. Alors là, quand tu fais un wheeling et que tu te pètes la gueule, tu te dis putain pour un wheeling j'ai niqué la moto. Ah bah super quoi. Ça
faire un peu le con. Enfin, surtout en plus quand t'es pas équipé. Après j'ai rien contre lui. Hein. Et, de toute façon même dans sa vidéo il dit je suis pas un exemple, faut pas faire ce que je fais. Ah oui mais c'est pas quand tu t'es pété la gueule qu'il faut dire aux gens bah voilà. Voilà, faut pas faire. C'est pas parce que je fais ça, faut le faire. Quoi. Mais t'as des jeunes qui ont 13, 14 ans et qui font du scooter. Et bah ils vont peut-être être abonnés à ta chaîne mec. Et eux ils vont te suivre et ils vont vouloir faire comme toi. Sauf que bah voilà. Hein. Ça peut arriver vite à l'accident. Mais bon voilà, ils montrent pas trop le bon exemple. C'est dommage. Sinon sa chaîne elle est bien quoi. Moi je l'aime bien, hein. Je suis abonné à sa chaîne. Hein. Parce que moi tout ce que je voulais voir c'était sa tête. Je me suis dit un jour il va peut-être montrer sa tête. Et enfin il a montré son visage. Ah quand même. Mais voilà quoi, montre le bon exemple quand même mec. Après voilà, moi je sais que ouais, je suis pas un exemple non plus. Hein. Mais moi voilà, j'essaie d'apprendre à rester sur la moto, à rouler prudemment. À essayer d'éviter les dangers. Après, je ne garantis pas que voilà, hein, je fais pas le con aussi quoi. Mais au moins voilà, essayer d'apprendre à rester sur ta moto gros, et à profiter de la moto. Sans te mettre en danger. T'as une belle Merco devant. Alors voilà. Et là bientôt je vais sortir ma vidéo sur montage de Sabo Air Max. Et tout ça, alors comme j'ai reçu tout mon matos, bah, je vais pouvoir monter tout ça. Parce que franchement, j'ai cherché sur YouTube montage Sabo Air Max sur MT-07. Et j'ai rien à trouver. Hein. Je sais même pas. Hein. Oh putain, j'ai galéré. Hein. Parce que le truc de chez Air Max, le mode d'emploi, c'est de la merde. Hein. Ah, il t'explique rien en fait. Et sur Google, bah voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui montrait de A à Z. Alors je le remercie, hein, je sais pas trop comment il s'appelle ni rien, je peux même pas lui faire de pub sur ma chaîne. Mais je vais faire tout ce que lui il a dit en dessin et tout ça, je vais le faire en vidéo. Et peut-être que ça aidera certains qui veulent acheter un Sabo Air Max. Parce qu'apparemment, c'est un peu la merde à mettre. Hein. Alors en espérant faire une bonne vidéo et puis que le résultat il paye. Hein. Alors on verra bien tout ça. Ah mais comme ça fait trop du bien, hein. Ça faisait un mois que j'avais pas pris la moto. Oh le kiff quoi. En plus c'est un beau petit soleil là, faire gaffe les feuilles mortes. Ah mais franchement trop bien. Après la saison elle va être finie, ça va être l'hiver. Ça va être un peu mort. Hein. En plus là c'est confinement. Alors crois pas que je sors la moto, je sors du boulot. Hein. Alors je peux profiter un peu de la bécane. Hein. Ah là je sors du boulot, alors je peux profiter un peu de la bécane. Après j'ai mon attestation de travail. Donc normalement je crains rien. Et ça fait plaisir. Alors voilà au sujet des wheelings, franchement en commentaire, dis-moi franchement si c'est intéressant. Si c'est intéressant d'en faire. Parce que moi je vois pas l'utilité, à part péter sa moto. Mais sinon, voilà à quoi ça sert. Après ce que tu sais pas, c'est si tu te fais gauler par les flics en faisant un wheeling, c'est 135 euros. Alors ça fait quand même mal pour ça quoi. Alors voilà c'était une petite vidéo parce que j'avais envie d'en parler de ça. Parce que je sais pas moi les wheelings ça m'intéresse pas. C'est pas parce que je sais pas en faire, hein. Je peux aller sur un parking et m'entraîner. Mais après c'est quoi le but sur la route de faire un wheeling? À part te la péter. Voilà et puis si tu te pètes la gueule là t'as vraiment l'air con. Alors franchement moi le principal c'est rester sur mes deux roues. Et puis rester sur la moto aussi surtout. Alors voilà, ce sera une petite vidéo pas très longue. Mais au moins voilà j'en aurais parlé. Parce que j'en vois plein des vidéos où les gars ils se pètent la gueule et ils éclatent leur moto, mais ça fait mal quoi, ça fait mal.
Alors voilà, je vais te laisser là, mec. Et puis je te dis à très vite avec la vidéo de Air Max, le montage du sabot moteur, des écopes de radiateur, la bulle que je vais changer aussi. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. À très vite, frère. Allez, un gros baiser.